J'ai trouvé refuge dans le premier bouge venu, à Port-Louis. Je n'avais plus de force à rien. Il y en avait du militaire. Des galonnés même, avec des médailles. Au moins là, j'étais rendue à la vraie vie. C'est quoi ton nom? Fleur de Tonnerre. Oui. Pas contre moi ta guerre, toi. Je suis là pour ça. Regarde-toi. Viens avec moi immédiatement. Viens. Hé, le bourgeois, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te meurs? Laisse-moi! Rentre chez toi, je vais te voir! Encore! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est toi le coupable! C'est toi qui m'as ouvri! À cause de toi, j'ai tout perdu! Je suis plus la même, j'ai plus la force! J'ai plus rien! Je suis là. Je suis là. Je suis là. T'as trop cassé dans ma vie! Tout! Avant toi, j'étais la plus forte! J'avais peur de rien, ni de la mort, ni des âmes! C'est moi qui décidais! Maintenant, regarde ce que je suis devenue! Perdu. Ça suffit! Ça suffit! Je suis là! Tu me fais confiance! Hélène! Qu'est-ce que tu... Tais-toi! Je vais t'aider. Sors de ma vie. Je vais t'aider. J'ai besoin de personne! T'entends? Personne! Je ne dois rien à personne. Peut-être à ma mère qui m'a fait connaître Lankou. Sans elle, sans ces peurs qui la rendaient si méchante, je serais peut-être devenue une gentille petite servante. J'aurais trouvé un mari, j'aurais eu des enfants, le semblant d'une vie. Devenir Lankou, c'était devenir plus forte que mes peurs. Plus forte que la mort. Ne plus avoir peur de rien. C'était moi qui faisais peur aux autres, c'était moi qui décidais. J'ai traversé le monde comme une invisible qui sème la mort le long de sa vie. C'est pour ça que je suis montée jusqu'à Rennes. Dans les villages, on m'a toujours pensée inoffensive, alors que là, c'était la grande ville. La Rémi! J'avais plus de chance d'y trouver un adversaire à ma taille. Un ancien juge, professeur de droit. Expert en affaires criminelles. C'est pour moi, ça. Il habite où, ton bonhomme? Près du pont Saint-Georges. C'est pas n'importe qui, hein. Pareil qu'il sera futur maire de Rennes. 5 ans que je suis à son service. Bah, allons-y. Conduis-moi chez ton juge, Rose. T'es sûre que ça va aller, Hélène? Il est très exigeant, hein. Il a déjà chassé 3 cuisinières. t'inquiète pas, j'ai du talent. J'ai de bonnes références. Ah, mais Hélène, ça fait pas très sérieux, ça. C'est vrai. C'est mieux. Eh bien, dites donc, il chante vos louanges, cet abbé... Laureau. Mais... sa lettre n'est pas datée. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Rien. Je suis restée avec lui 14 ans dans son presbytère. J'en sors seulement. Excellent. Je me méfie des cuisinières qui changent souvent de place. Ça cache toujours quelque chose. Vous avez raison, monsieur Bidard de la Noé. La fidélité, c'est sacré. Les gages sont de 40 écus, payables par demi-année. Est-ce que cela vous convient? Cela me convient, monsieur Bidard de la Noé. Je vous attends demain matin à la première heure. Vous pouvez disposer. Rose, vous la connaissez bien, Hélène? Est-ce qu'elle ne boit pas un peu? Quand ils sont en congé, monsieur, les employés de maison se laissent un peu aller. Vous comprenez? C'est bien pour ça qu'il faudrait supprimer les congés. Rose. Qui est-ce? C'est moi. C'est Lankou. Allez-vous sans, je vous en supplie. Rose, j'ai pour mission de t'emmener. C'est... Hélène? C'est toi? C'est pas drôle, arrête. Il n'y a plus d'Hélène. Il n'y a que Lankou. Tu voudrais crier, mais t'as plus de force, pas vrai, hein? C'est ton heure. C'est tout. Allez, ouvre. Cet imbécile de médecin. Avec ses sangsues et ses cataplasmes, il a rien compris. La vérité, c'est que tu passeras pas la nuit. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Rose! 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 Oh mon Dieu! Rose! C'est vous qui se passe?